Pour la team Chambéry, les affaires reprennent à très haute altitude, à 2300 mètres très précisément. Pour son stage de reprise, le Chambéry Mont Blanc Savoie Handball a choisi Val Thorens et le Board, son centre sportif ultramoderne. Les infrastructures sont de qualité. L'accueil à l'hôtel est excellent et ici sur le Board, il y a tout ce qu'il faut réuni dans un même espace. En étant à Chambéry, on est proche des montagnes, mais là c'est quand même plus haut, ça change nos repères et on a les joueurs 24 sur 24, donc ça permet aussi d'envisager des soirées ensemble, puis également avoir un petit peu de fraîcheur dans ces semaines caniculaires. On dort nettement mieux, donc quand on dort mieux, on récupère mieux. Et quand on récupère mieux, on peut réenchaîner du travail physique le lendemain. Fort de leur très belle 4e place de la saison dernière en Liqui Moly Star League, les Savoyards repartent pour une nouvelle campagne qu'ils espèrent encore plus passionnante. Et alors que la saison n'a pas encore débuté, une première bonne nouvelle est tombée récemment. Les Noirs et Jaunes disputeront la phase de groupe de la Coupe d'Europe à partir d'octobre prochain, sans passer par un tour qualificatif. Ça permet de nous laisser un tout petit peu plus de temps pour nous préparer aux joutes nationales. Et puis ça nous assure au moins 6 matchs en Coupe d'Europe. L'accès à une autre poule suivant ces matchs de première poule, de première phase, est importante pour nous. Donc on aura aussi l'objectif d'enchaîner sur la Coupe d'Europe et de se qualifier à un étage supérieur. En attendant, le calendrier du championnat vient d'être publié et pour les premières journées, Chambéry affrontera notamment Nîmes et Montpellier. Déjà, on rencontre des grosses équipes. Je pense que sur les 8 premières journées, on rencontre le top 5. Donc c'est pas évident pour commencer, mais bon, ça va directement nous mettre dans le bain et voir de quoi on est capable. Il faut être prêt. C'est pour ça que la prépa estivale sert à ça. Une nouvelle fois, Chambéry se présentera sur la ligne de départ du championnat avec des ambitions mesurées, imposées par un budget d'un peu moins de 5 millions d'euros. Conséquence directe de ces restrictions, cet été, aucune recrue n'est venue renforcer le groupe. Ça a ses avantages et ses inconvénients. Ça a clairement ses avantages où tous les garçons se connaissent très bien, ils ont eu l'habitude de travailler ensemble, ils ont vécu plein de choses ensemble, ils ont un passé collectif riche et donc ils sauront se servir de ça en cas de coup dur, et il y en a toujours des coups durs dans une saison. Ça a aussi des inconvénients parce que c'est vrai que l'arrivée de nouvelles têtes redistribue quelque part un peu les cartes. La délégation savoyarde quittera Val Thorens samedi matin. Les premiers matchs amicaux sont quant à eux prévus le week-end du 11 et 12 août prochain.